j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si vous me rejoignez. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une fois de plus un spoiler. Je vais vous révéler le contenu de la Blissime du mois de septembre, qui est d'ailleurs en collaboration avec la marque MAC pour ce mois-ci. D'ailleurs, c'est un peu devenu une habitude concernant le mois de septembre chez la marque Blissime. Très très souvent, ils sont en collaboration avec la marque MAC. D'ailleurs, on avait le choix entre un rouge à lèvres ou un ombre à paupières. Je ne sais même plus ce que j'ai choisi. Il me semble que j'ai opté pour le rouge à lèvres. On recevra dans la Blissime du mois de septembre également, vous savez, le joli cabas T&I qu'on aurait dû recevoir dans nos double box de cet été. Mais il y a eu un léger problème, donc pas de doute, nous l'aurons pour ce mois-ci. Et nous aurons également une carte cadeau de 15€ valable sur l'e-shop du site MAC ou en boutique. Autrement, nous aurons toutes 4 produits communs dans la Blissime du mois de septembre et nous aurons 5 produits à côté qui seront un peu distribués de façon aléatoire selon votre profil beauté. Et donc, on va débuter tout d'abord par tous les produits que nous aurons toutes sans aucun doute. Bon, je vous en ai déjà parlé. Donc, tout d'abord, nous aurons soit le rouge à lèvres, soit le fard à paupières MAC cosmétique en format vente qu'on a d'ailleurs pu choisir. Ensuite, comme je vous l'ai dit précédemment, nous aurons toutes une carte cadeau de la marque MAC cosmétique forcément avec une valeur de 15€ qu'on peut utiliser soit sur le site, soit en boutique MAC. Ensuite, il y aura également une crème pour les mains de la marque Voilà. Donc c'est un produit full size que nous allons avoir. Normalement, j'essaierai de vous mettre des petites photos par-ci, par-là, des produits, comme ça vous avez un meilleur aperçu. Après, je vous dis pas l'utilité des produits, je vous dis pas la composition. Tout ceci, on verra une fois que j'aurai réceptionné ma box Blissime. Je vous parlerai plus précisément de chacun des produits, bien entendu. Et pour finir, comme je vous l'ai dit également, nous aurons toutes le fameux cabas T&I de la marque Blissime qu'on aurait déjà dû recevoir le mois dernier. Maintenant, je vais vous citer les produits de beauté qui seront un peu distribués de façon aléatoire dans nos box beauté du mois de septembre. Forcément, ça dépend de votre profil beauté, bien entendu. Après, je ne sais pas niveau format des produits au juste, si c'est un grand format, un petit format, le nombre de millilitres. Tout ceci, on découvrira en fait quand j'ouvrirai ma box beauté. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh ben, je vous invite à le faire et on verra bien ce que moi j'aurai reçu pour le mois de septembre. Donc tout d'abord, le premier produit qu'on est susceptible de recevoir dans notre box, c'est de la marque Kevin Murphy. Donc c'est le Restore, c'est en fait un soin lavant revitalisant. Donc franchement, moi je serais plutôt contente de recevoir ce produit là parce que c'est un produit pour les cheveux. Et pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez à quel point j'adore tester les produits pour cheveux. J'avais déjà reçu un produit de la marque Kevin Murphy et franchement c'est des produits qui sont vraiment pas mal du tout. Donc si je reçois celui-ci, je serai plutôt contente. Ensuite, il est possible de recevoir de la marque Birdie, je sais pas du tout comment que ça se prononce. C'est des gummies renforcement des cheveux, donc c'est les Strong Air. J'en ai déjà beaucoup entendu parler et je ne les ai jamais testés. Donc je pense, après c'est que une supposition bien entendu, que soit on reçoit le produit de la marque Kevin Murphy, soit le produit de la marque Birdie, étant donné que voilà, c'est deux produits pour les cheveux. Je pense qu'on va recevoir soit l'un, soit l'autre. Après, on peut peut-être recevoir les deux. Maintenant, à voir. Moi, franchement, pour tout vous dire, les deux me conviennent très très bien. Voilà, je n'ai jamais testé les gummies au renforcement des cheveux de cette marque-là. J'en ai déjà testé d'une autre marque. Donc, bon, pourquoi pas. Ensuite, un autre produit qu'on peut recevoir, hein, je précise bien, c'est pas sûr et certain, c'est en fait de la marque Polar. Alors cette marque là je l'aime énormément, elle est géniale. C'est en fait la solution anti-imperfection éclat boréal à l'olivier de Sibérie. Alors ce produit là je ne le connais pas du tout, pourtant j'en ai déjà testé des produits Polar, mais celui-ci jamais. Donc pareil, je serais très très contente de le recevoir
également. Après, bien entendu, il faut voir le format, etc. Donc bon, on verra bien ce que je recevrai par la suite. Un autre produit, c'est une crème contour des yeux hydratante à l'avocat Eye Avocado. Donc c'est de la marque Kiehl's. Encore une très très bonne marque. Enfin, moi je l'aime beaucoup cette marque là. Après, un produit par contre qui ne me conviendrait pas, et j'espère qu'ils vont pas me l'envoyer, mais bon, bien souvent il faut quand même assez attention niveau profil beauté, c'est en fait de la marque Jeune Fruida. C'est le shampoing ultraviolet pour blonde. Donc ouais, moi j'espère pas recevoir ce produit là dans ma box beauté parce que ça me convient pas du tout, étant donné que je ne suis pas blonde. Mais après voilà, pour celles qui sont blondes justement, ça peut être vraiment pas mal du tout concernant ce produit. Alors c'est vrai que jusqu'à maintenant il y a beaucoup de produits pour les cheveux, alors j'espère que vous aimez également recevoir des shampoings, des soins, parce que jusqu'à maintenant c'est vrai qu'il y a pas mal de produits pour les cheveux. Prochain produit que nous sommes peut-être amenés à recevoir, et c'est également une très bonne marque, c'est la marque Clarins. C'est en fait leur crème fraîcheur hydratante Reboost. Donc bon, à voir si oui ou non je vais la recevoir. Ensuite, nous avons également de la marque Save. Je ne sais pas du tout comment que ça se prononce cette marque, je n'y arriverai jamais. C'est en fait leur sérum anti-tache booster d'éclat Perfect Pism. Alors ce produit-là, je ne connais pas du tout, donc ça serait une découverte pour moi si je la reçois, bien entendu. Et pour finir, dernier petit produit que nous sommes susceptibles de recevoir, et pareil, c'est une marque que j'aime énormément, enfin franchement je l'adore, elle est vraiment géniale, c'est la marque Garancia. Enfin je sais pas ce que vous en pensez. Donc c'est en fait leur eau source micellaire enchantée. Et donc voilà pour ce qui est du contenu de la blissime du mois de septembre. Donc comme je vous l'ai dit, nous aurons toutes les 4 produits que je vous ai cités en début de vidéo sur et certains. Et à côté de ça, nous en recevrons 5, enfin du moins normalement. Donc je vous ai donné une petite liste maintenant à voir ce que nous allons recevoir réellement. Alors, pour ma part, en regardant comme ça, franchement, la blissime du mois de septembre, elle a l'air plutôt pas mal. Maintenant, à voir en réel ce que je vais recevoir. Bien entendu, je vous la présenterai en vidéo, comme toujours. Donc, surtout, n'hésitez pas à me rejoindre. Maintenant, seule déception, c'est que si je reçois le produit Jeune Fruida, j'en aurai pas l'utilité. Mais jusqu'à maintenant, franchement, la blissime, ils font plus ou moins attention concernant mon profil beauté, j'ai jamais été trop déçue. Maintenant, on verra bien. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette fameuse blissime du mois de septembre. Pour celles qui n'ont pas encore vu, j'ai également révélé le contenu de la My Little Box du mois de septembre. Donc, je vous invite à aller voir dans ma playlist beauté si jamais cela vous intéresse. En attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine.